Salut, c'est Piment de Pipe et Mystère, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Alors ça va pas être très très long, parce que je pense pas que je vais la fumer en entier, sur cette pipe calabash de contrefaçon. C'est une contrefaçon de pipe calabash que l'on peut trouver souvent sur eBay ou sur Internet, sur des sites un peu de pseudo-vente de trucs de fumeurs, notamment sur eBay. Alors moi celle-là je l'ai achetée il y a un bon moment, je l'ai achetée il y a une dizaine d'années, elle venait fabriquée en Chine. Je l'avais acheté 15 euros, frais de port gratuit. Hein, donc. Le foyer est en porcelaine, le corps de la pipe est en bois exotique, et tout ce qui est tige est en plastique. C'est même pas de l'ébonite, c'est même pas de l'acrylique, c'est du plastique dur. Gros problème, c'est de la merde. Normalement, sur les pipes calabash, vous avez un joint qui fait étanche, un joint de liège qui fait étanchéité avec le bol. Le bol tenait dessus, pas de problème, mais ça ne faisait aucune étanchéité. Dès que j'allumais, j'essayais de l'allumer, ça faisait un appel d'air immédiat au niveau du pourtour. Donc le foyer s'éteignait constamment. Donc j'ai dû retirer le foyer, mettre un pourtour de colle néoprène, c'est une colle caoutchouteuse, et le fixer définitivement pour éventuellement que ça tienne et que ça fasse le joint. Donc là, ça a marché. Mais un jour, lors d'une utilisation, comme je vous ai dit, cette pipe est en porcelaine, elle pèse son poids. D'ailleurs, quand on essaye de la tenir comme ça, en fait, là, si je la tiens pas, voilà, elle a tendance à basculer de part en arrière. Si vous la mettez comme ça, si vous essayez de la mettre comme ça, elle va finir comme ça, voire comme ça, tellement elle est lourde. Là, je suis pas loin de 300 grammes, je pense. Quand même, pour une pipe, en moyenne, une pipe, c'est 30 à 50 grammes. C'est extrêmement lourd. C'est plus lourd qu'une pipe calabash, une véritable pipe calabash en porcelaine de base et avec l'intérieur en courge. Ça, c'est une véritable calabash foyer en porcelaine, comme ça se faisait parfois dans les années 30, à l'époque où la porcelaine était considérée comme matériau de luxe. Pour remplacer l'écume qui se faisait rare, on mettait parfois des foyers en porcelaine sur les calabashes. Et ici, voici un bel exemplaire. Et on compare l'original à la copie, il n'y a pas photo. Comme dirait Bataille Fontaine. En voici une autre calabash, un modèle différent que je vous avais déjà montré. Celle-ci date des années 30-40 environ, avec le dessus en laiton. Il y avait à l'origine un foyer en écume de mer, il y est toujours, mais il est camouflé par de l'argile parce qu'il était cassé, je l'ai réparé comme j'ai pu. Le corps de l'argile, de la pipe, elle, est en courge. Lui aussi avait été cassé. Elle a une bague en argent. Le tuyau en acrylique, merde, c'est même plus. Ébonite, je vais y arriver. Donc j'avais acheté 30 balles, 30 livres. Je me suis dit, bon, bah, au pire, ça te fera une petite jolie pipe en décoration. Au mieux, tu essaies de la réparer et ça fonctionnera. Donc, peut-être que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de lui refaire un foyer doublé. Le foyer d'écume d'origine était fendu sur le fond. Il y avait tout un énorme trou. J'ai redoublé le foyer d'écume avec un peu d'argile fraîche et ça fonctionne parfaitement. Et cette pipe est extrêmement légère, bien que le foyer du dessus du foyer soit en laiton quand même et qu'il y ait une bague en argent. Donc, vous voyez, je la tiens juste comme ça. Il n'y a pas vraiment de poids. Celle-ci, c'est de la merdouille. Il y a à la limite le foyer, voilà, le foyer qui est en porcelaine n'est pas vraiment très moche. Mais un jour, je me rappelle, bah, c'est comme ça. Même là, la tige dans laquelle on fume se visse, se fait en deux parties. Il y a une partie qui se visse dans le corps de normalement du fruit ou éventuellement du bois sculpté, on va dire, normalement sur les pipes. Il y a d'autres pipes type calabash qui n'ont pas le corps en écume, en fruits calebasse, mais qui ont encore en sculpté. Généralement, c'est de l'acajou, c'est un bois de qualité. Et là, c'est du bois exotique de merde, je sais pas ce que c'est probablement du palmier, je sais pas ce que c'est. Et c'est en deux parties la tige. Une première partie se fixe là-dedans, et le tuyau se fixe là-dedans. Comme certaines calebasses, en fait. Or, cette partie-là, comme je l'ai dit, c'est du plastique dur. On entend, écoutez. Le plastique dur, déjà c'est dur sous la dent, mais ça ne s'imbrique pas bien. Normalement, une pipe, quand elle est bien faite, quand vous la fixez dessus, ça ne se fixe pas bien. Encore ça, j'ai dû le couler.
J'avais déjà dû coller le foyer parce que le foyer ne tenait pas. Il ne tenait pas. J'ai dû mettre carrément le coller à la colle néoprène pour le coller définitivement et faire une bonne jointure. Et j'ai dû coller aussi le tuyau à ce niveau-là parce que ça, la pipe, elle me restait dans les mains. Ça tombait avec le poids qu'elle fait, ça tombait. Et un jour, quand je me suis dit, oh, elle va peut-être finir par fumer un jour, hein, cette pipe, je l'avais allumée, je commençais à fumer. Et puis, l'espace d'un instant, je lâche la main là, qui la tient là. Comme ça, j'ai lâché la main pour saisir le briquet. Donc, je l'avais à la bouche comme ça, juste une seconde. Et clac ! La tige, le tenon, en fait, qui se visse dans la mortaise, en plastique, dur, je rappelle. Clac ! Avec le poids qu'elle fait, c'est brisé dedans. Donc, j'ai dû mettre pareil, c'est irréparable sur le moment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai mis un point de colle sur le tour. Donc, cette pipe est entièrement collée. N'achetez pas cette merde. N'achetez vraiment pas cette merde. C'est vendu sur eBay à une trentaine d'euros en provenance d'Israël. Donc, en plus, il y a les frais de port. C'est 30 euros, je dis sans les frais de port. Vous allez retrouver avec cette tas de merde. La dernière fois qu'elle m'a fait le coup, qu'elle s'est cassée, je n'ai même pas eu la flemme de la nettoyer. J'ai eu la flemme de la nettoyer, je veux dire. Tellement ça m'a cassé les couilles, je l'avais recollé de là, et là le truc qui se casse là, je l'ai recollé, je lui ai dit à mon vieil madame Olivier, va te faire foutre, je l'ai recollé, je l'ai posé, et là elle me sert juste en décoration. Donc là je vais essayer devant nos yeux et Bobby de fumer un tabac dedans, mais comme j'ai peur, je me doute bien que ça risque de ne pas marcher à fond, ou du moins ça va s'éteindre de fou, je vais fumer ce petit Burton qui est ma foi bof. Donc au pire, je rate pas grand chose. Je jetterai pas grand chose, hein. C'est un tabac de basse qualité. J'ai eu encore du Stanley ou du Frérot, ça aurait été le coup. On va voir si ça marche. Si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, bah, ça sera une pipe décoratrice. Pipe de décoration. Et au moins, cette vidéo vous permettra de dire, vous servira d'avertissement. N'achetez pas des pipes calabashes. De contrefaçon, c'est une contrefaçon de pipe calabash. Si malheureusement les pipes calabash ne se fabriquent plus en véritable fruit, le corps en véritable fruit, ça ne se fabrique plus, c'est con, c'est comme ça, malheureusement, c'est très compliqué. En fait, on dirait pas, mais il faut cultiver le fruit d'une certaine façon pour qu'il prenne sa fameuse courbure. Ça demande pas mal de temps et c'est aléatoire. D'autant que le fruit, une fois qu'il a poussé dans cette forme-là, il faut le couper, le vider, le faire sécher à l'air pendant un certain temps. Et puis le faire durcir, hein, ça demande énormément de temps. Je m'étais bien renseigné, j'ai un beau livre qui parle dessus. Il s'appelle « Pipe et tabac ». Et c'était très long à faire de ce genre de pipe en calebasse, c'est pour ça que c'était très cher. La dernière maison qui est fabriquée, c'était la maison Strandbar en Autriche. Ils ne les fabriquent plus. Et maintenant, il n'y a plus que quelques maîtres pipiers dans le monde qui en fabriquent une ou deux de temps en temps. Et elles valent une fortune. Donc le seul moyen, si pour vous, vous voulez vraiment fumer une vraie pipe calabash, c'est de regarder bien attentivement sur eBay ou d'autres sites d'annonces et d'acheter une bonne estate. Alors quel est le foyer en porcelaine ou en écume, ça c'est à vous de voir. Ou alors quel est le foyer, le corps de la pipe en courge ou alors en acajou, c'est à vous de voir. Et vous aurez une bonne pipe, véritable calabash, enfin du moins avec l'effet calabash. Quand je parle, hein. Parce qu'il y a aussi les Buzz Choquin ou les autres pipes qui ont la forme calebasse, mais que c'est juste de la bruyère taillée. On n'a pas l'effet de refroidissement du tabac dans la chambre. Donc, armez-vous de patience, parce que c'est des pipes, malheureusement, qui commencent à devenir extrêmement rares. J'essaye d'en suivre sur eBay, je les mets de côté, et j'essaie d'en chérir vraiment au dernier moment pour dépenser le moins, mais ça, généralement, ça dépasse les 150 euros. Bon, je pourrais éventuellement les mettre, les 150 euros, c'est pas le problème. Mais quand la pipe se trouve aux États-Unis, le problème, c'est que passer 150 euros, bah, y a les frais de livraison qui sont avec. Les États-Unis, bah, les frais de livraison, c'est généralement 30 balles. Pour une petite pipe qui pèse même pas 50 grammes, ça fait cher. Et sans compter que dès que ça dépasse 150 euros, vous avez maintenant les frais de douane, les frais de taxes. Donc finalement, la pipe que j'aurais payée 100 ou 150 euros, elle se retrouve parce qu'à 200 balles. Donc ça pique un peu. Donc là, je scrute, hein, je fais le... Je suis en mode ninja et j'essaye tranquillement d'attendre la bonne occasion, mais malheureusement elle me passe sous la main, ou des fois l'annonce elle se termine tard la nuit, et bon, fatalement, il faut bien que je dorme un jour. Et bon, pour l'instant, des vraies calabashes, j'ai celle que je vous ai montrée avec le corps, le foyer en porcelaine,
Celle que je vous ai montrée, que j'ai réparée là aussi. Celle qui a le porcelaine, elle a été cassée aussi sur la tige. Mais je l'ai réparée, c'était un tout petit éclat, rien de grave, rien de grave. Celle que je vous ai montrée avec le foyer que j'ai réparé, en faisant une doublure en argile. Il y a celle que je vous ai montrée la dernière fois et que j'ai déjà fumée. Celle-ci, celle qui a le corps en acajou. Moi, je les considère comme véritables calvaches. D'ailleurs, l'appellation, d'ailleurs, ça c'est pour ceux qui ne sachent pas, l'appellation, c'est on dit pipe calabache quand elles ont juste la forme. Ou bien quand elles ont la forme et le système calabache, c'est-à-dire vous savez, l'appel d'air en dessous, l'air qui se rafraîchit. Quand on dit gourde calabache, c'est qu'elle a le corps de la pipe en fruit. La vraie calabasse. Et puis j'en ai une autre qui est de la marque Pionnier, qui elle, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fumée, enfin devant vous du moins. Et j'ai eu la chance, ça vient des États-Unis, mais je crois que Pionnier c'était anglais, je crois. Et elle a la chance, c'est qu'elle a le foyer d'origine, bon, c'est une esthète, donc elle a le foyer d'origine qui a été un peu usé, un peu fumé quelquefois, mais elle a été fournie avec un foyer neuf, et ça c'est génial. Donc j'ai une pipe neuve d'occasion en fait. Donc là, j'ai même pas envie de gaspiller une allumette. Merde, je vais tomber mon briquet. Je me disais, j'ai pas envie de gaspiller une belle allumette longue pour cette merde. Je vais essayer. On entend le défaut d'appel d'air. Écoutez. Même avec un bon joint de colle, mastic colle. J'ai du mal à la tenir allumée. Donc ça fonctionne, bien entendu, mais j'ai dû, je le rappelle, j'ai dû faire une jointure en néoprène sur tout le tour. J'ai dû coller, faire une jointure en colle néoprène pour faire bien le jointure au niveau de la tige, et du coup, il est fixé. Et là, la mortaise s'est pété dans le bois de palmier, je sais même pas ce que c'est. Et ça marche, hein. Mais c'est pas merveilleux. Ouais, la dernière fois, dans notre vidéo, j'ai fumé la pipe calabache que j'ai réparée, là, avec le foyer doublé de... que j'ai réparé, le foyer doublé du coup de un peu d'argile. Ben, c'est merveilleux. Là, c'est... je tire comme un bourrin. Et la pipe s'éteint. Parce qu'il y a un problème de jointure. Il faut souffler, tirer quand même à la... Alors déjà, c'est un problème de récurrent chez les pipes calabash. C'est comme elles ont un foyer très large. Encore, celui-là, il est gros. Mais pas beaucoup. Mais par contre, si je compare donc avec une autre pipe, regardez la taille du foyer. Il est immense. Et ça, c'est un problème récurrent des pipes calabash. En fait, quand vous achetez une pipe, je vous conseille de prendre un foyer. Vous avez trois types de foyers. Vous avez large, médium et little petit. Je vous conseille un médium ou petit. Parce que sinon, il faut vraiment tirer régulièrement, parce que sinon la pipe a tendance à s'éteindre. Bon, pas bien grave, vous allez me dire. Mais c'est assez chiant de l'éteindre, l'allumer. Ah ouais, ça fume, hein. Elle fonctionne. Mais ne vous attendez pas à déguster une belle pipe.
Enfin, peut-être que vous, si vous en avez déjà acheté une, vous avez la chance que le joint soit mieux fait que sur celle-là. Peut-être que votre tuyau se fixe bien sur cette partie-là. Là. Et peut-être que votre mortaise ne s'est pas pétée. Mais moi, j'ai pas eu cette chance. Donc, pour moi, ça reste une contrefaçon de calabash. Une pipe gadget, comme on appelle ça. Moi, je l'avais payé 15 balles. Donc, finalement, j'y perds pas grand-chose. Là, je la fume pour vous, parce que sinon, je n'aurais même pas pris le temps de la rallumer. Et c'est fait pour montrer surtout la différence entre une véritable pipe calabash et une pipe de merde. Alors, je vais quand même essayer de vous la montrer. Elle est au fond, elle est cachée, parce que c'est fragile. C'est ma seule pipe calabash que j'ai en très bon état. Les autres pipes que je vous ai montrées, elles ont des défauts. Donc j'en prends soin, je vais la montrer quand même, parce que c'est pour là. Voilà, voilà une vraie, véritable pipe calabash. Celle-ci, je ne l'ai pas encore fumée en vidéo. Alors le tuyau est en ébonite. Le tuyau est en ébonite sur une partie, la fixation sur le fruit, sur la gourde, est en acrylique, le corps de la pipe est en calabash, en gourde, quoi, en fruit, et la tête de pipe est en écume de mer véritable. Elle a été fumée quelques fois, je pense 2-3 fois, tout au plus 10 fois maximum, c'est difficile à évaluer. Parce qu'il n'y a pas de croûte. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de culottage. Alors probablement qu'il a enlevé, il a empêché. Mais il n'y a pas vraiment de traces. Et puis l'écume de mer, quand on la fume, vous savez que ça prend beaucoup de... ça absorbe beaucoup de nicotine et ça a tendance à se teinter. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a pas été trop teinté. Mais l'avantage, c'est que vous voyez là, dans le petit paquet, il y a un autre bol en écume de mer véritable, qui a été sculpté spécialement pour cette pipe. Je pense que son ancien propriétaire, bah, il en a refait faire un autre, par sécurité, au cas où il viendrait à péter celui-là, je ne sais pas. Je sais pas, il était fourni avec, j'ai essayé, il s'adapte parfaitement. Donc voilà, une véritable pipe calabash. En foyer écume, corps en courge, et avec un véritable tuyau en ébonite, et une petite partie en acrylique. Donc voilà, ça c'est mon petit trésor. J'en prends grand soin, je la fume tout au plus une fois par an. Je la fume environ une fois par an. Et ça c'est mon petit trésor et c'est mes pipes fétiches. Donc ça c'est les pipes vraiment que je cherche constamment sur eBay quand je peux en trouver. À bon prix. Et quand je vous disais que l'écume de mer a tendance à se teindre avec les utilisations, je vais vous montrer sur celle-ci. Donc, il y a le corps de la pipe est en acajou sculpté, donc c'était quand même un bois précieux. On voit bien que ça absorbe doucement la nicotine et ça fait des parfaites couleurs magnifiques. Et celle-ci, elle a un foyer médium, pour avoir une idée. Celle que je vous avais montrée là avec le dessus en porcelaine, c'est le bol extra large. Ça c'est le médium, c'est ce que je vous conseille. Voir le bol small. A savoir que c'est juste la taille du trou dans le foyer qui compte. La largeur du bol en écume de mer, lui, il sera toujours à peu près la même. Même ça, il faudrait que je m'achète une deuxième. Parce que c'est pas évident à trouver finalement. Il n'y a que Merchom Market qui les fabrique. En Turquie, et avec des tensions qui commencent à se faire avec la Turquie, je pense qu'on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement avec ces pipes. Alors, que ce soit les calabashes, comme ça je vous ai montré, les calabashes à cajou, ou bien les pipes en écume tout court, un jour ou de l'autre, on va avoir des gros problèmes.
et on n'en aura plus. Je crois que c'est dans les années 70 déjà que la Turquie avait mis un veto interdisant l'exploitation de blocs d'écume de mer brute vers les autres pays, se réservant donc ainsi le droit de produire des pipes en écume de mer. Donc depuis ça, ça a mis un terme au commerce des pipes en écume de mer, enfin la fabrication artisanale des autres pays, par exemple la France, l'Autriche. Et quoique je me souviens bien, les Strambar, dans mes souvenirs, ça c'est un constellant, c'est chiant. Dans mes souvenirs, la majorité des pipes Strambar avaient un foyer en écume reconstitué. C'est pas dégueulasse, ça se fume comme de l'écume de mer, mais sauf que ça s'est fait à partir de poussière d'écume mélangée avec une colle agglomérée et pressée pour en faire des nouveaux blocs. Et bah, du coup, bah, après, le problème c'est que ça se teinte pas de la même façon que se teinterait une véritable pipe en écume de mer. J'en avais quelques-unes des pipes de la gamme Strambar. Malheureusement, avec des problèmes d'argent, j'étais contraint de les revendre. C'est con. Parce que maintenant, on les trouve plus. Dans le cul. On ne trouve plus que celles-là. Les pipes imitation calabash. Genre les Buds Shocker, par exemple. Ou autres pipes italiennes. Mais qui sont que la forme, c'est des pipes ombrières. Et, ou alors les pipes fabriquées en Turquie, qui ont le corps, la tête en écume, le corps en acajou, qui reprend exactement la forme de la calabash, qui sont de très bonne qualité, j'ai rien à redire, et qui ont le système calabash. Ou bien on récupère ces tas de merde, qui est en porcelaine, bois de palmier de merde, plastique dur, qui se casse et qui n'est même pas. Voilà, t'es. Voilà, c'est bon, ça, j'en ai des brûlures. Et qui a même pas de bonne jointure, et qui s'éteint constamment du coup. Donc je fais une petite vidéo comme ça. Bon, je déconne, hein. je suis un peu excité dans la vidéo, on va dire. Mais c'est pour vous déconseiller, n'achetez pas cette merde. C'est une contrefaçon. Une imitation de pipe calabash, une pipe gadget, qui fonctionne, puisque vous voyez que je la fume bien. Mais vous, peut-être que vous aurez peut-être de la chance, peut-être plus de chance que moi. Peut-être que votre foyer, l'ajustage du joint de liège sur votre foyer sera parfait. Peut-être que vous êtes votre l'ajustage de la tige là sera parfait, il va pas tomber tout seul. Et peut-être que la mortaise ne se cassera pas. Mais c'est quand même 30 euros le risque. 35, je crois. Et à 35 euros, vous avez quand même une. Pour ce prix-là, vous avez véritablement une belle pipe de Saint-Claude en bruyère. Et peut-être même des pipes de marque Chacom ou Bud Choquin, par exemple. Donc, à vous de voir. Bon, alors en plus, là, je teste dans un tabac de merde, hein, le Burton. En fait, le Burton, je l'ai conservé. Il est quand même un petit peu meilleur. Quand je dis un petit peu, c'est pas beaucoup plus que le Stanley et le Frérot. Qui sont, je rappelle, le Stanley et le Frérot, issus de la même marque, du même fabricant, en Belgique. C'est juste le nom qui va, la marque qui change. Mais c'est le même producteur. Là, le Burton, je ne sais même plus où c'est que c'est fabriqué, je crois que c'est fabriqué en Allemagne. Oui, c'est un tabac allemand. Alors, c'est pas dégueulasse. Contrairement au Stanley, le Stanley et le Stanley et le Frérot, c'est carrément un tabac à. C'est le même tabac, c'est le tabac à clope. C'est ni plus ni moins que du tabac à clope qui a été coupé en coupe large pour les pipes.
Mais il a absolument aucune saveur. Ça a vraiment le goût de la clope. Et il se consume extrêmement vite puisque c'est des feuilles extrêmement fines. Là, le Burton, là, celui que je viens de vous montrer, il est d'un petit peu meilleure qualité. C'est du tabac brun. Donc il a un petit peu du goût différent. Il peut quand même convenir, celui-là je peux le conseiller par exemple à un nouveau fumeur de pipe. Quelqu'un qui débute la pipe, qui veut pas forcément un tabac très fort qui tape à la gueule au niveau nicotine, force nicotinique. Un tabac qui n'est pas forcément aromatisé, parce que au début les fumeurs, il faut quand même les habituer au rituel. Donc un tabac aromatisé, ça demande par exemple un temps de préparation avant de le mettre dans le bourrer dans la pipe. Il faut quand même le laisser sécher quelques petites demi-heures avant, quoi, on va dire, le préparer. Donc il faut un tabac neutre. Alors on pourrait leur conseiller aux débutants de fumer le Amsterdamer. Mais bon, c'est quand même c'est costaud, le Amsterdamer, c'est rustique. Après on a le Saint-Claude, mais le Saint-Claude c'est mélangé avec des feuilles de tabac à cigare. Donc c'est quand même costaud. Après on a le Clan. Mais c'est pareil, c'est un petit peu. Pour un débutant, c'est un peu costaud. Alors que le Burton. C'est vraiment pas très fort. Enfin, Burton, je le conseille vraiment pour les débutants à la pipe, ceux qui veulent commencer la pipe, comme ça vous n'aurez pas un goût trop fort. Il n'y a pas trop de force nicotinique, il n'y a pas d'arôme particulier, c'est vraiment le tabac brun. Ça coûte pas cher. Et se consume bien. Ou alors je peux le conseiller éventuellement à ceux qui veulent se mettre à la pipe, mais c'était des anciens fumeurs de cigarettes. Comme ça, vous aurez les mêmes avantages que un peu le tabac cigarette. Vous ne serez pas trop dépaysé. Je préfère vous conseiller le Burton que le Stanley, le frérot. N'achetez pas ça. C'est de la merde. Comme n'achetez pas ces putains de merde de pipe là qui s'arrête pas de s'éteindre parce que écoutez, putain, même avec le joint de putain de colle là que j'ai mis sur tout le tour, là, je réussis encore. Attendez, ouais, faut vraiment mettre les doigts sur tout le tour comme ça là. Et là, ça peut aller. Final. Donc, au final, votre pipe, c'est plus de la colle que de la pipe, en fait. Après, peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Peut-être que je suis tombé sur le lot de merde. À moins que vous voulez une pipe décorative. Si c'est juste pour la décoration, bon, pourquoi pas. J'ai vu aussi des pipes type calabash qui avaient un corps en bruyère et le haut du fourneau c'était de l'écume de mer, mais il n'y avait pas l'espace creux comme la calabash qui permet de refroidir la fumée. Alors ici vous le voyez pas parce que le foyer, du coup j'étais obligé de le coller fatalement, mais le foyer descend profondément, hein. Il descend quasiment jusqu'à là. Ce qui veut dire que bah, finalement la chambre de refroidissement il n'y en a quasiment pas. Et on fume un tabac normal, en fait, bon, quasiment dans une pipe normale, mais qui pèse un âne mort. Parce que là, je vous garantis que. Attendez, je vais essayer. J'espère que ça ne va pas casser à nouveau. Mais... Là, c'est possible. Clairement pas possible. Tenir ça en bouche et parler, c'est clairement pas possible. C'est énorme, ça pèse un âne mort, quoi. Pèse une pierre, quoi. C'est comme si vous mettez une pierre au bout de votre bouche, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai pété là. Un jour, on l'avait essayé, comme je vous l'ai montré là. J'étais comme ça. Et encore, non, j'étais comme ça droit.
Et clac, elle s'est tombée. Heureusement, j'étais assis, donc elle m'est tombée sur les jambes, sans quoi elle se serait pétée. Mais bon. Pas agréable du tout. Je suis en fin de bol là. C'est-à-dire qu'il y a un courant d'air chez moi. D'habitude, je vous mets un petit bruit de fond, hein, le bruit de la cheminée avec le courant d'air, là, le fantôme, on dirait un bruit de fantôme. Là, c'est juste pour briser le vide, quoi. Mais là, finalement, c'est la pipe qui produit le courant d'air, quoi. Sinon, que dire de plus? C'est fumable, hein. Vous voyez que je la fume. Les difficultés, les problèmes que j'ai eu avec. Et au final, cette pipe, en fait, elle m'a plus servi pour des personnages dans les fictions amateurs quand je faisais le personnage de Alain Chaours sur mon autre chaîne, dans The Geeks Files. Quand je faisais du gaming, mais j'imitais un ami. Qui faisait la représentation du nerd, vous savez, avec une grosse lunette à quintuple foyer, qui parle du nez comme ça, avec sa petite laine et sa queue de rat, et ses bretelles et son nœud papillon. Et cette pipe-là, ça, je m'en servais quasiment que pour ça. Au moins, elle servait à quelque chose, quoi. Parce qu'elle est immense, c'est immense. Vous l'avez pas à la main, et quand vous la mettez en bouche, essayez de tenir ça, mais c'est comme ça en fait. T'as la pipe à la bouche, tu es. Bonjour, je fume la pipe, je suis fumeur de pipe, et je vais avoir un torticolis. C'est un coup à se péter soi-même les dents, quoi. Tu vois, des problèmes de dents. Hein. C'est pas toujours évident de tenir une pipe en bouche. Parce qu'on dit qu'elles sont entre guillemets lourdes. Et quand on dit lourdes, c'est quand ça dépasse les 50 grammes. 50 grammes, c'est rien en fait. Mais c'est entre guillemets lourd. Parce que c'est pour la tenir en bouche et parler en même temps, c'est pas évident. Surtout si c'est une pipe droite. Mais là, ça dépasse facilement les 100 grammes, 200 grammes. J'en suis presque sûr. Il faudrait que je la pèse pour voir. J'ai plus de pile dans la balance. De cuisine, mais à vue d'œil, je dépasse les 200 grammes, ça c'est sûr. Peut-être 300 grammes. Pour vous donner une idée, ma tasse de café là, elle est vide. Hein. Ma tasse de café est plus légère que cette pipe. Le cendrier à pipe que j'ai confectionné moi. C'est juste un plat à fromage, j'ai collé un bout de bouchon de champagne dessus pour tapoter les pipes. Il est en argile plein. Et en poids, il est plus léger que la pipe. C'est quoi cette pipe? Ah, le bocal de tabac. Voilà. Attends, là, il est plat. Ouais, on va dire que le bocal de tabac, là, il est plat. Ça compte pas. Je vais en prendre un vide pour avoir une idée. Ben voilà. C'est à peu près le même poids. Cette pipe pèse le même poids que ce bocal
2, je ne sais pas combien de litres. Il fait 340 millilitres. C'est un bocal classique, hein. Je stocke mes tabacs là-dedans. Cette pipe, c'est comme si vous avez ça en bouche. Voilà, vous avez le poids. Vous avez un bocal accroché à la bouche. Donc vous êtes constamment obligé de la tenir à la main sous risque de la péter comme j'ai fait moi. Bon, ça marche, hein. On voit bien que je fume. De temps en temps, je la rallume. Donc ça, c'est typique des calabaches. Surtout quand elles ont des gros foyers. Mais bon, ça marche, ça fume. Mais il y a des problèmes d'humidité, d'étanchéité. Moi, j'ai pété, il y avait le problème d'étanchéité là. Et là, j'ai pété là. Mais là, avec le temps, le fumage, à l'humidité se fait. Je pense que le bois est en train doucement de gonfler avec l'humidité. Du coup, il y a un petit peu avec le fumage, là, c'est en train de se. De mieux. Peut-être que ça se dilate un peu, le bois gonfle un peu à cause de l'humidité, du coup l'étanchéité se fait un peu mieux. Ça se fume, hein, donc. Mais bon, c'est. Quitte à utiliser 30, 35 euros, je crois, sur eBay. Honnêtement, acheter une petite pipe en bruyère classique. Mettez peut-être 20 ou 30 euros de plus et achetez une pipe de calabash, butz choquin ou ce que vous voulez en bruyère. Ou alors cherchez une pipe calabash turque avec le corps en acajou et le dessus en écume. Ça coûte une centaine d'euros, c'est sûr, c'est certes, c'est cher, mais vous en aurez pour votre argent et là vous pourrez déguster un magnifique tabac tranquillement sur votre fauteuil. Sans avoir besoin de réparer une pipe à la con de tous les côtés. Parce qu'il me faudrait un treuil pour la tenir, tu sais. Là, il faudrait que j'accroche un truc, tu sais. Parce que c'est lourd. Hein. Là, je me mets la main comme ça en dessous. Et puis, je suis comme ça, en fait, si vous voulez. Parce que sinon, la tenir comme ça, accoudée comme ça, c'est pas évident, c'est chiant. Donc, je suis obligé de me mettre la main en dessous comme ça. C'est relou du cul. Et ce problème d'étanchéité, c'est relou. Parce que vous êtes obligé de tirer tout le temps sur la pipe pour la maintenir allumée. Déjà que sur les pipes calabash de bonne qualité, de bonne facture, quand le foyer est trop gros, vous êtes obligé quand même de tirer. De temps en temps de faire des petits pour le maintenir allumé. Sur celle-là, dès que le foyer est quand même assez gros, et en plus il y a un problème d'étanchéité, si vous ne tirez pas constamment dessus, la pipe s'éteint tout le temps. Et finalement, votre tabac, vous ne le savourez pas en fait. Vous êtes constamment préoccupé au fait que votre pipe va s'éteindre, ou de tout le temps de la rallumer. Et ça, c'est énervant ça, quand ça arrive. Déjà que ça arrive quand ça arrive sur une pipe en bruyère, quand la pipe s'éteint régulièrement, bon c'est souvent à cause de l'humidité, du tabac, ou alors d'un mauvais bourrage, ça peut arriver. Ça m'arrive des fois encore. C'est relou. Mais quand vous achetez, quand ça vous arrive sur des pipes comme ça, là, calabash, et que vous avez investi un peu d'argent dedans, c'est quasiment infumable. Vous voyez, encore, elle s'éteint. C'est presque fini. Vous voyez, là, je suis en fin de bol quand même. Ça fait 40 minutes que je parle. Là, je savoure rien. Bon, c'est du Burton. C'est pour ça que j'ai pris ce tabac-là, parce que je savais ce qui allait se passer. J'avais déjà fumé cette pipe avant. Je savais très bien ce qui allait se passer.
Ouais, là, je pense qu'il y a. À force de tirer, du coup, ben, je fais monter le taux d'humidité dedans, en fait. Et je pense que le bois, là, enfin, ce bois, cette merdouille, là, c'est probablement du bois de palmier. Hein. C'est même pas du pin ou du sapin. C'est même pas de l'acajou, parce que l'acajou, par rapport à l'autre pipe, je l'aurais reconnu, et puis je reconnais quand même l'acajou. C'est un bois que j'ai travaillé souvent en ébénisterie. Là. Je sais même pas quoi c'est, ça faisait du palmier selon moi. Ou vraiment un bois exotique que je ne connais pas. Et peut-être que ça finit par gonfler un peu et faire l'étanchéité. Honnêtement, cette pipe, je l'avais pas fumée, je l'avais achetée il y a 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans. Et il y a peut-être un mois ou deux, je me suis dit, tiens, je vais réessayer de la fumer. Et c'est là que le tuyau a fini par péter. Je l'ai recollé et puis finalement, je ne l'ai plus touché. Et là, bien sûr, je la refume devant vous parce que pour vous présenter ce type de pipe, ces contrefaçons. Mais sinon, honnêtement, elle reste là. Ça fait, depuis que j'ai installé ce meuble-là, le rack à pipe là, que j'ai fabriqué, ça reste là et puis ça ne bouge plus, quoi. D'ailleurs, je vais arrêter, c'est fini. C'est plus beau. Il en reste encore un petit peu. Mais sinon, c'est bien consumé quand même. Par contre, l'avantage, c'est comme c'est de la porcelaine, le seul avantage de ça, en fait, c'est que comme c'est de la porcelaine, merde. Comme c'est de la porcelaine, ça se nettoie relativement facilement. Un petit coup de chenillette sur le tour. On verse dans le sandar. Un petit trou dans l'évacuation. On souffle un peu. Et bon, normalement, on peut même passer un bout de sopalin. Bon, là, j'en ai pas sous la main. Mais avec un sopalin, on peut même le nettoyer quasiment. Un sopalin humide. On la nettoie quasiment à la perfection, je veux dire. Il n'y a pas de culottage à faire comme pour les pipes en écume. Bon, là, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'avais même pas nettoyé de la dernière utilisation. J'ai vu la flemme. Là, je le fais là devant vous pour vous montrer. Bon, encore, je vais pas le faire à 100%. Voilà. On réussit rapidement à la nettoyer. Hein. Ça a l'avantage, voilà. Il faut bien qu'il y ait un avantage parmi toute cette merdouille. Bah, le seul avantage que là, c'est que ça se nettoie facilement. Enfin, facilement. L'extérieur, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'étais obligé de coller mon bol pour qu'il tienne et que ça ne fasse pas trop de problèmes d'étanchéité et donc que je ne souffle pas comme un malade, même que ça ne fonctionne pas. Et du coup, je ne peux plus nettoyer l'intérieur. Et de toute façon, je n'avais pas le choix. Il y avait que ça à faire. J'avais envoyé un message à la piperie parce que la piperie elle peut réparer les pipes calabash. Ils peuvent refaire, enfin à l'époque du moins, ils peuvent refaire des foyers en écume de mer. Je ne me voyais pas renvoyer cette pipe que j'ai payé 15 balles, je ne voyais pas lui fabriquer un foyer en écume de mer. Ça m'aurait coûté combien, je ne sais pas. Et lui faire faire un nouveau jointure en liège, ça m'aurait coûté plus cher que la pipe. Sans compter qu'il faut que j'envoie les frais de port, quoi. Les frais de livraison. Il faut que j'envoie déjà une première fois là-bas. Et j'enjoigne en plus des frais de travail sur la pipe que ça m'avait fait. Une quinzaine d'euros environ, elle m'avait dit. 15-20 euros environ, parce que j'avais envoyé la photo. 15-20 euros pour faire un nouveau joint de liège. J'avais demandé aussi le prix de changer le tuyau. Bah, le tuyau complet, ça m'aurait coûté je ne sais pas combien. Et honnêtement, elle m'a dit, je préfère pas vous donner de devis, honnêtement, je préfère vous dire de ne pas la faire réparer et de la laisser comme elle est, quoi. Elle a été honnête, la dame, c'est une femme que j'avais au téléphone. Après lui avoir envoyé le mail. Puis après, je l'avais téléphoné pour dire si elle avait bien reçu le mail et tout ça. Et ce qu'elle me conseillait. Et elle m'a dit, honnêtement, ne le faites pas réparer, quoi. Ça coûterait qu'un, pour le joint encore, c'est une quinzaine d'euros. Mais la quinzaine d'euros, vous y joignez le prix du colis. À l'aller.
plus le prix du colis au retour. Donc, le prix du colis, c'est 5, ça fait 5 euros environ. Et donc là, ça aurait fait 10 euros de colis, plus 15 euros, ça fait 25 euros déjà pour une pipe qui coûte 30 euros. 15 euros, pardon, j'avais payé 15 euros. Donc, ça fait 30 euros pour une pipe de 15 euros. Sans compter le tuyau qu'il aurait fallu compter quand même une trentaine ou une quarantaine d'euros pour en refaire un neuf. Sans compter le temps de travail, le temps qui... Est-ce que ça valait vraiment le coup? La réponse, c'est clairement non. Elle m'a dit clairement, sauf si vous tenez à cet objet, vous voulez le faire absolument réparer, ça ne vaut clairement pas le coup. Elle a été totalement honnête sur ça. Chapeau, la piperie. D'ailleurs, j'ai recommandé chez eux récemment des pipes en maïs, que j'en avais depuis il y a longtemps, mais elles ont fini par s'user avec le temps, elles brûlent. Surtout la tige, au fond. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le but. Les pipes maïs, je les réserve pour l'extérieur. C'est des pipes que je fume à l'extérieur. Mais honnêtement, sauf si vous avez la chance et vous tombez sur un petit ouvrier qui a décidé de un peu mieux travailler sur l'objet en question, au fin fond de la Chine ou du Pakistan, ou Dieu sait où c'est que c'est fabriqué, si vous avez la chance que l'ouvrier qui a travaillé dessus, il a mis un petit peu plus de soin, peut-être que vous n'aurez pas les inconvénients que j'ai eu moi. Peut-être que vous n'aurez pas le problème de jointure au niveau du foyer. Peut-être que votre jointure au niveau de la tige tiendra. Peut-être que la tige qui est ici, tout ça c'est du plastique dur, hein, qui est la mortaise qui est vissée dans le corps du bois de palmier, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça ne cassera pas sur la vôtre. C'est un coup, une décision que vous devrez prendre si vous voulez investir dedans. Mais pour moi, ça reste une contrefaçon de pipe calabash, une pipe gadget que l'on peut fumer, je viens de vous montrer qu'on peut. Mais voilà, les inconvénients que j'ai eu sur la mienne, est-ce que vous voulez avoir ce même type d'inconvénients, vous? Sachant que moi, à l'époque, je l'avais payé il y a 5-6... Attendez. En 2012 environ, je l'ai acheté en 2012. Je l'ai payé en 2012 15 euros environ, plus les frais de port. Maintenant, c'est à 35 euros. En plus, plus une 15 ou 30, 15 ou 20 euros de frais de livraison. Donc, est-ce que vous voulez vraiment tenter? À vous de voir. Mais moi, je vous le déconseille. Bref, sur cette vidéo, sur cette contrefaçon de pipe calabash a duré depuis bien trop longtemps. La seule chose qui était agréable dans ce fumage, c'était, mine de rien, comme quoi, c'était le tabac Burton qui rattrape un peu le coup de désagréable poids que ça fait. Je vous l'ai dit, ça pèse le poids d'un bocal vide, d'un bocal de 300 millilitres quand même. C'est comme si vous aviez le bocal accroché à votre bouche. C'est quand même pas agréable à fumer. On doit constamment garder sa main appuyée contre le buste ou alors la maintenir, sa main, un bras sous les côtes et le bras appuyé dessus. Bon, c'est ce qu'on fait général pour la calabash, mais la calabash normale est assez légère, contrairement à celle-là qui est très lourde. Et c'est franchement... Voilà, vous entendez? Écoutez, je vais boucher là. Même en bouchant le foyer en haut, il y a des problèmes de jointure. Même en ayant mis un joint tout autour, en collant bien comme il faut le foyer avec de la colle néoprène, qui fait un peu mastic, mine de rien, puisque c'est du caoutchouc, la colle néoprène est à base de caoutchouc, il y a quand même un problème d'étanchéité. Bon bref, sur ce, ainsi se termine cette vidéo qui a trop longuement duré sur les pipes calabash. Méfiez-vous des contrefaçons. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et vous mettra en garde sur l'achat de ce type d'objet. Je vous conseillerais que trop que d'acheter les pipes calabas qui sont fabriquées en Turquie, qui ont un corps en foyer en écume, corps en acajou et beau tuyau en acrylique, ou bien si vous avez les moyens de vous payer une véritable estate en calabash, ou si vous trouvez un maître pipier qui fabrique encore des vrais calabash. Corps en courge, tête, foyer en écume. Et ça, bon, ça c'est à voir en acrylique ou en ébonite. Si vous avez la chance de trouver un maître pipier qui en fabrique encore, mais je ne sais pas qui en fabrique encore, je crois que ça ne se fabrique plus, puisque Strandbar a fermé, c'était les derniers à les fabriquer. Maintenant, c'est devenu une exception de les fabriquer, et les prix peuvent monter extrêmement haut. Et ce qui est dommage, c'est regrettable. Donc, à vous de voir. Moi, je vous conseillerais plutôt
un entre-deux. Pas la véritable gourde calabache, écume, fruit, mais plutôt la type pipe calabache, écume, je sais plus ce que je dis, écume, acajou, plutôt que ça. Je vous conseillerais plutôt l'écume acajou, ça coûte déjà moins cher qu'une pipe estate, parce que les pipes estate en calabache, on ne sait pas ce qu'ils ont fumé dedans, on ne sait pas comment ils l'ont entretenu, peut-être qu'elle est cassée, peut-être qu'elle est fragilisée, bon, à vous de voir. Et le corps en acajou a quand même l'avantage d'être plus facilement nettoyable que le corps en fruit, qui demande une attention vraiment particulière. C'est pour ça que c'est ma pipe préférée, mais c'est aussi une des pipes les plus fragiles qui existent. Aussi fragile pratiquement, j'aimerais bien dire, presque dire, autant fragile qu'une pipe en terre cuite. Une pipe en terre cuite, la seule fragilité qu'elle a, c'est qu'elle tombe, elle se casse. La pipe qui a la gâche, il n'y a pas que le foyer qui peut se casser. Le corps de la courge, c'est assez fragile, c'est creux, c'est dur, c'est comme une coquille de noix si vous préférez. La texture se rapproche à la coquille de noix. Et donc c'est quand même dur, mais c'est fragile. Ça peut facilement, vous pouvez facilement péter la tige, comme vous l'avez vu sur celle que je vous ai montrée, très facilement en voulant simplement la démonter. Ça peut se casser. Donc c'est une pipe calabache, c'est une pipe qui demande énormément de soins. Une pipe, comme je vous ai dit, d'intérieur, qu'on ne fume à l'intérieur que dans son fauteuil au coin du feu en ayant le journal sur les bras et le chat sur les genoux, hein, le cliché. Une pipe qu'on ne peut pas transporter parce que c'est une pipe encombrante. Même les plus petits modèles, ça c'est un des plus petits modèles. Hein. On trouve rarement plus petit en calabash. On trouve rarement plus petit. J'en ai vu un des plus petits, mais c'est très rare. Et même ça, c'est des petits modèles, c'est quand même encombrant. Donc c'est quand même des modèles de pipes d'intérieur qu'on filme tranquillement. Donc moi je vous conseillerais que trop d'investir dans une pipe écume et corps en acajou, fabriquée en Turquie chez Merchon Market sur eBay. La boutique s'appelle Merchon Market. Et là, c'est celle-là où j'ai acheté la boutique ou sur laquelle j'ai acheté la mienne. Ça arrive en environ une semaine, c'est pratique, c'est bien emballé, c'est bien fait, il n'y a pas de défaut. Franchement, c'est la boutique sur eBay que je vous conseille. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je ne sais pas. Bref, sur ce, ainsi se termine cette vidéo sur les pipes calabash de contrefaçon, Made in China ou Made in Dieu sait où. Je vous déconseille d'acheter ça. Maintenant, à vous de voir. Avec tout ce que je vous ai dit dessus, tout le bien que j'ai pu vous dire dessus, à vous de voir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. Et dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez cédé à la tentation d'acheter cette connerie. Ou ce que vous en pensez. Ça pourrait m'intéresser, me dire peut-être que vous avez acheté le même type de pipe que moi et peut-être que vous avez plus de chance. Elle ne s'est pas cassée, vous avez une bonne étanchéité, une bonne jointure au niveau de la tige. Ça ne s'est pas cassé au niveau de là. Bref, dites-le moi, je suis curieux. Je suis curieux. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.